ne faites pas. Vous allez voir que moi, plus j'ai de mes délivrances par les frères, je les ai obtenus. J'étais en chaîne, je n'ai dit à personne, je vais à l'église, j'obtiens ma délivrance. Ou même j'étais en chaîne, je viens à l'église, j'ai une prophétie sur quelqu'un et ça délivre la vie de quelqu'un pour toujours. Parce que l'onction corporative est toujours plus grande, va vous aider plus. Amen. Le principe, c'est que je dis que deux fils valent mieux, trois fils valent mieux qu'un seul. Alléluia. Il faut faire extrêmement attention. Le diable est rusé. Le diable peut te faire perdre beaucoup de temps dans les prières qui semblent être des prières, mais qui ne sont pas exigées. Alléluia. Alléluia. Donc nous comprenons que quand moi je vais m'associer avec mon frère, avec ma soeur, je vais à l'église pour prier et que nous avons une pétition que nous élevons ensemble là, ici à l'église, ou quand nous prions jeudi à la maison, nous sommes 3-4 réunis en Christ. Il y a plus de puissance du cas juste seul. Pourquoi j'amène les requêtes pour nous prier le jeudi? Pourquoi je ne peux pas ça avec vous moi-même? Alléluia. Amen. Alors vous voyez que Jésus a envoyé les disciples 2 à 2. Il n'a pas dit pas seul, il a dit 2 à 2. Quand vous êtes dans les apôtres, vous allez voir que ils allaient toujours 2 ou 3 ou 4. Ils allaient toujours en groupe. Parce que Jésus a dit, dans les Matthieu, dans Luc 10, il a dit quelque part simplement que je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Amen. Vous savez que même les lions, quand ils viennent vers les antilopes sont serrés entre eux. Ils les regardent, les lions ne font rien. Les lions regardent. Les lions attendent pour voir l'antilope tourne, puis, ou a peur, ou a fui. Ils isolent un. Mais quand ils les regardent tous comme ça, là, ils se serrent, ils ne peuvent pas venir. Alléluia. Amen. C'est tellement important qu'il y a des gens, par exemple, ils se disputaient avec son mari à la maison, et puis ils vont faire les jeûnes et prier. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le mari s'est dit avec sa femme, il faut faire jeûne et prier. Ça ne marche pas. C'était difficile. Les frères et sœurs, il y en a qui. Et ils ne s'attendent même pas avec un ministère, ils font le même ministère, il y a même des églises. Je parle d'autres églises sont à travers le monde. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Une chorale qui gêne ensemble. Une chorale qui prie ensemble. Et puis qui ne peut pas l'éviter de prier avant d'aller faire un conseil chrétien. Le miracle de Dieu s'est accompli. Une chorale qui dit, ah non, non, racontons-nous dimanche, on fait des belles voix, des belles voix. Les belles voix, c'est rien. Les sirènes ont les plus belles voix aussi sur la terre. Les sirènes ont les voix. Alléluia. Combien de gens ont été délivrés d'esprit de sirène dans les chorales? Et les musiciens du monde, tout ça, les belles voix, ils ont le Saint-Esprit. Non, pas une belle voix qui n'est pas de Dieu. Mais le cœur, voilà ce qui est important. Alléluia. Alors, c'est très important que nous comprenions ces choses. Sinon, notre stratégie de combat va être différente. On va être comme les soldats militaires. Un soldat militaire, imagine-toi, vous avez déjà une patrouille d'armée ou une patrouille qui va seule, même qu'on appelle un groupe de reconnaissance. Une armée va l'attaquer, avoir toujours un groupe de reconnaissance. Amen. Ça date depuis les temps anciens, les temps romains jusqu'à aujourd'hui. On envoie depuis les temps même de Moïse. Et Moïse a envoyé un groupe de reconnaissance. Vous connaissez les murmures avec Caleb et tous les autres. Il y a toujours un groupe de reconnaissance. C'est jamais une personne. Quand vous allez dans les camps de l'ennemi, nous sommes cette terre, nous sommes dans les camps de l'ennemi. J'ai toujours dit que Satan est encore le Dieu. Et c'est bon, c'est ce que dit la Bible, jusqu'à ce que le Seigneur va venir. Allez, amen. Soit les chrétiens ont besoin de la stratégie de combat spirituel d'être associé à son frère, à sa soeur. Amen. Ça va partir des requêtes. Et lutter ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour nous encourager à pratiquer cela. Alléluia. C'est pourquoi je me dis que les combats seuls sont lourds. Amen. Quand quelqu'un tu es dans les combats, toi tu es en fond, et puis tu as quelqu'un qui te suit derrière, qui te soutient, c'est merveilleux. Amen. Souvent quand je vais prier ailleurs, j'appelle toujours des gens pour dire, il y a des gens que j'appelle toujours et j'envoie des messages qui sont à prier. Il y en a qui prennent des fois des jeunes directement parce que je suis allé prier ailleurs. Parce que je ne peux pas aller seul. Ça ne signifie pas que vous devez être ensemble physiquement, mais tu dois informer les gens que spirituellement il faut se soutenir. Même quand tu vas faire un test de travail, quand que les gens te soutiennent, des fois, tiens enfin les gens que les ennemis s'élèveront partout en ces temps-ci. Alléluia.
Amen. Amen. Alors, ça c'est ce que je voulais nous parler aujourd'hui, mais je voulais revenir encore sur les armes que nous avons vues, juste un commentaire que l'Esprit a mis la nuit. On a vu qu'il y avait des armes défensives et des armes offensives. Alléluia, parce que je vais commencer maintenant la série, donc juste l'introduction pour la série, les sortes de prières. Amen. Les armes défensives, nous avons vu, c'était la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du sang. Je vous recommande je vais faire la vidéo sur les casques du sang. C'est un enseignement très profond. C'est très très profond l'enseignement sur les casques du sang. Amen. Défensive, ça signifie que vous les portez tout le temps. Vous êtes. Donc, c'est-à-dire que quand on dit qu'il y a les missiles qui regardent les États-Unis, ils sont là, ils sont pointés, ils sont au repos, mais les jours où l'ennemi attaque, on appuie sur le bouton et il contre-cœur l'ennemi. C'est des armes que vous portez tout le temps. Vous demeurez dans la vérité. Vous vous laissez. Vous ne vous sentez pas condamné parce que vous avez fait une bêtise. Vous avez votre cuirasse de la justice. Vous avez le bouclier de la foi pour éteindre les traits de la famille de l'ennemi. Quelqu'un pose la question, le bouclier de la foi est-il une arme défensive ou offensive? Je dis qu'elle est défensive éminemment. Parce qu'elle expire ce qu'elle est ennemi. Elle protège contre ce que l'ennemi fait. Amen. Ces armes-là, vous les portez tout le temps. Et puis vous avez maintenant les armes offensives. On a vu les scènes. Pour Dieu, comme j'ai prié pour notre sœur la semaine passée, je lui ai dit, porte les sandales. C'est que Dieu voyait en elle qu'il les ailes diminuées. Les sandales, c'est les ailes de l'évangile. Ça va parler de Dieu à Jésus tout le temps. Témoigner la gloire de Jésus tout le temps. Ne pas avoir honte de Jésus. Amen. Et le paix de l'esprit que nous devons utiliser. Il y en a qui disent que la prière, est-ce que la prière c'est une arme? Est-ce qu'on peut mettre la prière comme les armes spirituelles? Oui, je pense que oui. Tu penses que oui, pourquoi? Parce que est-ce qu'il y a une arme défensive qui ne doit pas remédier par la prière? Amen. Parce qu'il y en a qui disent que la prière c'est une arme offensive. Moi, je crois que ce n'est pas totalement ça. Je crois que toutes les armes se révèlent par la prière. Je vois la prière est l'outil par lequel nous utilisons les armes. Parce que quand tu pries, parce que le paix de l'esprit, tu l'utilises comment? C'est par la prière, n'est-ce pas? Et c'est la prière qui est là où l'esprit de l'esprit. C'est l'esprit qui est là. Amen. La prière enveloppe tout, parce que c'est une démarche que j'ai eu avec moi-même, avec mon cœur la nuit. Alléluia. C'est comme ça qu'on emploie de l'enseignement, non? Je me suis posé beaucoup de questions la nuit. Alléluia. Parce qu'il y en a qui croient que nous avons mis la sainte arme comme l'humilité. Il y en a qui mettent la prière, ils oublient l'humilité. Amen. Mais la prière, moi je crois que la prière, c'est le moyen par lequel tout cela est utilisé. Surtout les armes comme les armes offensives. Alléluia. Amen. En partie, on peut dire que quand on va la prière, l'autorité, c'est genre de prière, c'est comme des prières où on va en cours la prière d'intercession ou on faisait pour ramener quelqu'un. On peut utiliser ça. Tu vois, comment je peux appeler ça? C'est un désuet. Amen. C'est un débat que j'ai dû amener avec mon cœur parce que je ne peux pas. Il y a des fois, l'esprit me parle des choses, il y a des fois, moi, je réfléchis sur les choses. Amen. Je suis en train de parler. Est-ce que la prière c'est une arme? Alléluia. On va voir l'Esprit à nous éclairer. Alléluia. Alors on prenait Ephésiens 6, verset 18. Ephésiens 6, verset 18. Amen. Alléluia. On est là, nous tous. Alors, faites par l'Esprit. Faites en tout temps par esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Alléluia. Faites par esprit toutes sortes de prières et de supplications. L'apôtre, après avoir défini les âmes, répétez, dites-lui, faites maintenant. Et faites en tout temps par esprit toutes sortes de prières. C'est-à-dire que tout ce qui problème, tout
problèmes, résolvez les problèmes, défendez-vous, attaquez comme vous voulez, résolvez tout pareil. La prière, c'est ce qu'il veut dire. Il y a un texte de Philippiens qui comprend ça. Ne vous inquiétez pas, faites connaître à Dieu vos besoins par les prières et les supplications. Alors, quand vous avez revêtu les armes, par exemple, l'arme de l'épée de l'esprit, vous ne pouvez l'utiliser que dans les domaines de prière. Amen. Je vois, l'ennemi m'attaque sur ma jambe, j'ai mal. Il dit, nul est sans effet. Il dit, depuis toute arme, il faut que moi, je devrais nul est sans effet. Amen. Alors, là, j'ai prié. Mais j'ai prié avec la parole de Dieu. Quelle est l'arme? C'est la prière ou c'est la parole? La parole. Amen. Moi, je vois, la prière, c'est l'huile par laquelle les âmes agissent. C'est comme, je dirais, comme un. C'est comme un bateau, c'est comme comment ça s'appelle, un porte-avions des âmes. C'est comme un porte-avions des âmes. Un porte-avions, là, il a des avions sur lui, c'est un porte-avions des âmes. Alléluia. Alors, j'ai dit en paradis, parce que nous allons voir la prière d'autorité, toutes ces choses, nous allons voir qu'il n'y a pas de prière sans avoir le paix de l'esprit, par exemple. Amen. Même avant d'aller évangéliser, vous allez chez l'ennemi, vous priez toujours avant d'aller. Faites la prière d'intercession, faites la prière d'autorité, vous gagnez le terrain avec la prière. Alléluia. Amen. Alors, donc, Paul dit, faites en tout temps par esprit toutes sortes de prières. Amen. Alors, maintenant, aujourd'hui, nous allons juste, je vais commencer à introduire ce qu'on appelle toutes sortes de prières.